Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de Star Trek Online. Alors, j'espère que le premier épisode vous a plu. Tout d'abord, je tiens à vous remercier justement... Attendez, on va baisser un petit peu le son, c'est un petit peu froid. Alors déjà, d'une part, je tiens d'abord à m'excuser pour la dernière fois, parce que vous avez sans doute remarqué que justement, enfin, pour la dernière fois, j'ai fait un montage parce que j'ai pas enregistré l'audio du jeu. Désolé aussi pour ma voix et tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo se déroulera mieux et aussi également pour la durée, parce que je dois avouer qu'une demi-heure c'est très long, mais ce jeu est tellement bien, si vous savez. Enfin bref, donc vous pouvez, j'ai oublié de préciser une chose, il est gratuit, vous pouvez télécharger, jouer en ligne, tout ça. Enfin voilà, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Et donc je tiens également à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à regarder mes vidéos, à les aimer et à poster des commentaires. Ça, je vous en remercie. Je sais que pour vous c'est rien, ça, les commentaires et tout ça, mais pour quelqu'un comme moi, voilà, ça. Pour moi je suis. Voilà, quoi, pour moi c'est quelque chose de grand. Enfin voilà, non, vous comprenez quoi. Bon, bref, trêve de plaisanterie et de bavardage, on va jouer. Donc, il me semble qu'on s'est arrêté et on venait d'embarquer sur le vaisseau. Alors, commencez la partie 1. Jouer. Téléportation. Par contre, pendant ces vacances, la dernière période des vacances, j'ai posté beaucoup de vidéos. Justement, j'ai fait ça parce que je vais pas en poster énormément pendant les périodes scolaires. Surtout pour les vacances, mais pas dans les périodes scolaires. Parce que j'aurai beaucoup de travail, je pense. Excusez-moi, pardon. Ah, nous voilà. Alors, on devait parler à Elisa Flores. Et je m'étais arrêté sur mon dos tordu. Alors, donc, je dois aller regarder peut-être de la passerelle. D'accord. Je dois faire quoi? Ok, je la suis. Mon dieu, comme elle court. Oh là là, oh là là là. Enregistrement terminé, les affaires tactiques au rapport. D'accord. Ok, bon, il faut se présenter au rapport. Eh va attends-moi, mademoiselle. Name and position? Nom et position. Cadet Tintin, premier officier. Mon dieu. Welcome to the ship. Bienvenue sur le vaisseau. Captain Taggart is waiting for you on the bridge. Use the turbo lift behind me. It will take you directly there. Bien. On doit prendre le turbofit. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un turbofit, le turbofit c'est un ascenseur. Un ascenseur vertical et horizontal. Un ascenseur c'est juste vertical. Là il est horizontal aussi. Et en plus il peut faire tout le cercle. Donc, bonjour. Oh j'adore le bruit. Comme sur Enterprise. Ouh, c'est que c'est joli là-bas. C'est moi la personne est un petit peu trop grande. Alors je dois voir le capitaine qui est en lévitation au-dessus de son siège. Oui, bien sûr, tout à fait logique. Alors, bonjour. Welcome to the bridge number one. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Ah, ouais. Bienvenue sur le pont numéro 1. Numéro 1. Ah, il m'appelle comme Riker. Early in my career, I served with a captain who called his first officer that. I always liked it. As my number one, I expect you to ensure my orders are carried out and to advise me on the best course of action in any situation. But first, we need to get out of dry dock. Get clearance from control and close the shuttle bay doors. On doit then disable the tractor motors. Dry dock, c'est là où construit les vaisseaux. Control, quelque chose. Alors, il faut fermer donc
les portes du hangar à navette. Ok. D'accord, faut préparer le désarrimage. Alors, Tevrel, obtenez autorisation de la tour de contrôle pour que les Scouts puissent quitter la grue. La grue? Plus de quoi. Flores, fermez les portes du hangar à navette. Shuttle bay doors are closed, sir. D'accord. Bah oui. Good number one. C'est normal. Si on passe en distorsion, et la navette. Earth traffic oui, control has cleared us to depart, sir. D'accord. Very good, number one. Très bien, numéro 1. Potter. Potter, d'accord. Attendez avant de désactiver les amarrages de traction. Ok, fort bien. Nous devons aller où? Ah, là. Je suis le timonier. D'accord, je suis le premier officier et le timonier. Génial. Libérez les amarrages de traction. Fort bien. Alors, c'est fait. Alors, je dois aller où maintenant? Je dois aller. D'accord. Ah, je dois aller le voir. Potter, take us out. One quarter impulse. D'accord. Partez de là. Ah oui, quart de puissance. Capitaine, Zoravation spécifique. Je sais pas ce que ça veut dire, donc on va rester. Ah, on va s'asseoir dans le fauteuil. Ah ben là je suis. Si. Je me suis levé également. Ok. J'ai une question. Où est mon vaisseau? Cleared from dry dock, Captain. Good. Let's start with something easy. Set course for Vulcan. Mon dieu, je suis en lévitation, c'est magique. À l'attaque. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? À l'attaque, c'est-à-dire à l'attaque. On va passer en distorsion. Après, je sais pas si vous voulez que je parle de distorsion ou d'hyper exponentielle. Comme vous voulez. Captain, je reçois un appel de détresse audio de la part du SS Break-Even. Let's hear it, Tevrel. Écoutons, Tevrel. C'est le SS Break-Even. Le noyau hyper-exponentiel est en train de lâcher. Let them know we're on our way. Potter, lay in a rendezvous course. Altering course, sir. ETA 3 minutes. Transporter room. Prepare to beam over survivors. Préparer le ré. Sentence can't read anything in the vicinity of the break even. Communications are out as well. Keep trying to hail them, Tevrel. Number one, let's discuss the situation. Discutons de la situation, d'accord. Fort bien. Nous allons discuter de ces questions. Alors. You heard the distress call number one. What do you think we should do? What you should. J'ai pas le choix de toute façon. Absolutely not. We're the closest ship to the break even, so it's our duty to assist. Il se calme, pas seulement pas, d'accord. Good. What do you advise? Je sais pas. Alors je recommande de mettre l'alerte rouge, pleine puissance pour les. Pour les armes et pour les phaseurs quoi, les armes à rayons et charger les torpilles à photons. Bouclier monsieur, d'accord, meilleur, ouais. Nous devons avoir plus d'informations avant. Je recommande de scanner fort pour oula. Ah pardon, excusez-moi, mon ordinateur est un tout petit peu déchargé. Voilà, c'est bon. Tous ici, les athlètes. Cheers, allez. Raising the shields does seem to be a reasonable precaution. Yes, sir. Ah oui, ça peut être un. Flores, j'aime quand même y penser. Number one, get down to the transporter room. You'll oversee the rescue effort from there. Numéro 1, asseyez-vous, vous n'avez pas ça vous pendant toute la mission. Bah, si, je suis capable. Je peux pas m'asseoir. Je peux pas m'asseoir. Comment ce monsieur veut dire que je m'assois? Ouh!
J'avais pas vu ça! Oh, on a un dôme, c'est magnifique! Mais pas du tout sécurisé. Le dôme il lâche, il n'y a plus de passerelle, le vaisseau il est mort. Pourquoi je peux pas m'asseoir? C'est quoi ce pins? Je ne peux pas m'asseoir. C'est peut-être sûrement parce que je dois pas aller m'asseoir. C'est passé quoi là? Allez. Où est-ce que je dois aller? Apparemment, faut que j'aille là. Ah, d'accord. D'accord. Il se passe quoi là? Oula, il se passe quoi là? Que se passe-t-il? I'm getting some weird readings. I can't get a solid line. There may be interference. Il essaie, trying to compensate. Il essaie. I think I have it. Okay, this is a lot different than the training scenarios. Beaming them over now. Hang on. Mais c'est pas des survivants, c'est des clignons. Captain Kadak of the IKS Chart. Ah mais ils l'ont buté. D'accord. Il y a des Klingons dans mon vaisseau. Où je suis. D'accord, je suis là toujours dans le vaisseau. Mon dieu, que je suis moche. Oulala. Security is reporting disruptive fire in the transporter room. The Klingon transporter signatures are showing up all. You have the command codes to unlock an armory near your position. Arm yourself. D'accord, je dois aller débloquer l'armurerie. Et pour le vaisseau ennemi, monsieur. We still have weapons. I'll do what I can. For now, I need you to concentrate on getting those Klingons. D'accord. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Trichère. Oula, ça tremble de partout. Monsieur, monsieur, oui, je suis là, monsieur. Couvrez-moi. D'accord. D'accord, donc le numéro 1, il doit pas toujours partir en guerre lorsqu'il y a une guerre sur le vaisseau. D'accord, j'ai des plans ici. Cool. Entrée, c'est génial. Oh. Là, je dois aller là. Ouh là là. Oh mon dieu, trouver un fusil. Ça s'appelle pas un fusil, ça s'appelle un phaser. D'accord. Alors je dois aller où maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois aller voir? Non. Alors je dois aller où maintenant? Équiper. Ah, équiper un fusil, c'est quelle touche? Oula, CH, ok. Attends. Ah voilà, c'est l'avantage. Voilà! C'est bon! Sécuriser le hall. Oula! En effet, c'est pas très sécurisé. Comment est-ce qu'on fait? Ah, ben voilà, c'est comme ça. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser le hall? Attendez, je vais pas sembler parce qu'on va sûrement devoir combattre puisqu'il y a des Klingons. Attendez. Là, il y a de l'action. Là, ça plaît. Ouh là 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 là. Il y a des Klingons. Il y a des Klingons. Meurs, vile créature. Allez, meurs. Dans l'empire, j'ai un bouclier. Oh là, il y a un truc qui brille. C'est quoi ça? Ok, calmez-vous. Oh! Oh! Le mec résiste! Violence! Eh bah, ouais, ah bah, ça fait un de moins ça. Ok, d'accord, je peux pas avancer. C'est génial. Alors, est-ce qu'on. Prendre objet. Ok, c'est un objet, c'est quoi comme objet? Allez, allez. On va prendre. Ah, ça prie. Alors, on peut pas aller là. On peut pas, c'est l'agent de force, c'est normal. Parce que là, il y a une brèche. Que si j'y vais, je ne peux mourir. C'est parti. Par contre, je vais m'équiper le fusil, ça serait toujours mieux. Par contre, je vais faire un truc. Attendez. Attendez juste. Je vais changer d'arme. Je préfère le phaser de poche. C'est toujours mieux. Alors, si j'entends des bruits.
je te rends pas surpris. Là, il y en a. Voilà. Boum. Mort. Ok, il y a un mec. Ah oui, c'est celui qui s'est occupé du transport. Je dois faire quoi? Ah, soigner le cadet. Ok, il faut le soigner. Je vous soigne, monsieur. Alors... Oula! Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maraudeur Klingon, repousser les assassins. Oh, oh là là. Encore. Ouais, c'est parti. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui. Et où est-ce que ça nous mène? J'imagine que... Ouais, voilà, on atterrit de l'autre côté. Oh. Oula. Shoot. Allez, meurs. Voilà. Ça, c'est bon. Oula, 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 oula. Ça, c'est la violence. Ah, c'est bon. Merci. Number one, we're doing our best to cripple this Klingon Marauder, but I need your help. Time to show off that account. Oula, 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 oula. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Tu comprends rien. Il faut faire. Je dois aller droit devant, apparemment. Droit devant. C'est un turbo. Alors je pense que cette fois la vidéo durera 20 minutes, ça devrait aller je pense. Oulala, c'est que c'est la fête ici donc. Allez crever. Il est mort lui. C'est bon. Ok, ils disparaissent, tranquille, tout va bien. Alors. Oulala! Oulala, violence! Il y en a combien? Il bloque l'accès à une porte. Une porte est humaine à verre. C'est vraiment vachement pratique, ça fait. Allez, toi t'es mort. C'est bon, il est mort. Où est-ce que je dois aller? Là. Neutraliser. Pardon. Ok, je vais neutraliser contre des portes. Fort bien. Alors où est-ce qu'on est là? Où est-ce? Oulalalala. Oulala. Et oh, j'ai rien compris. Laissez-moi partir. Ok, ok, j'ai compris. Faut que j'aille là. Droit devant. Je ne peux pas. Les couilles. Quoi de... On peut buter. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain, tu dégages, oh putain. Ah, j'ai plus de bouclier. Oh putain, oh mince. C'est bon, j'ai mon bouclier. Sorry. Mais non, mais me suivez pas, bande d'idiots. T'as vu, me suis. Idiot. Sous mes yeux. Voir deux. Faut que je m'en aille. Je vais me faire tuer sinon. C'est bon. C'est bon. Y a plus personne? Tu. Mais c'est bien sûr que si. D'accord. Ok, d'accord. C'est bon, on les a tous vaincus. Alors qu'est-ce qu'on doit faire là? D'accord. Ah, c'est pour les boucliers. Ok, donc c'est fait, maintenant on doit aller là-bas. J'espère que vous entendez bien ma voix. C'est un peu tard pour me poser des questions quand même. Hein. Je suis un peu bête. Ok, on doit aller là. Allez, on va booster. Oh, j'adore ça, t'es connerie. Number one. We've got injured up here and the Klingons could send a boarding party at any time.
I need you back on the bridge. Go see to the bridge. We will secure this area. Bon, alors, je sais que j'ai coupé en plein action, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant parce que ça va faire bientôt 20 minutes. 20 minutes, et oui. Parce que si à moins que vous vouliez une vidéo d'une demi-heure, mais pour l'instant, parce que vous sachez que pour moi aussi c'est un peu compliqué de faire une vidéo d'une demi-heure, c'est très long. Mais bon, bref, sur cette action coupée, je vous dis prenez soin de vous et salut tout le monde.